Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un gratin à base de poivrons. Vraiment un très très bon gratin. Allez, passons directement à la préparation. On va commencer par frire les poivrons sans les couper, après les avoir lavés et séchés. On les laissera refroidir et ensuite on va leur retirer la peau. Poursuivons dans la préparation et là on va passer à la préparation de la sauce tomate en faisant revenir dans un peu d'huile un oignon coupé en tout petits fragments. 2 minutes à peu près, on écrase 3 gousses d'ail et on les rajoute à l'oignon sur feu doux sans couvrir. On ajoutera ensuite 3 tomates fraîches réduites en purée et 1 cuillère à soupe de tomates concentrées. On mélange bien, on verse quelques petites quantités d'eau, on met le thym, les feuilles de laurier, le sel, le poivre, le paprika ou le piment doux. On laissera notre sauce cuire tranquillement sur feu doux. On va faire revenir comme ça de temps en temps et avant d'éteindre, on rajoutera le persil frais coupé. En parallèle à la préparation de la sauce tomate, on prépare la sauce béchamel. Avec 60 g de beurre qu'on fait fondre dans une casserole et 60 g de farine, une fois versée, la farine et le beurre vont former une boule. On va laisser à peu près 2 minutes le beurre et la farine cuire sur feu moyen. Après, on va ouvrir avec le lait. On verse quelques quantités de lait jusqu'à ce que le mélange commence à s'épaissir en sel et en poivre. Et en fin de cuisson, et dès qu'on remarque qu'il y a des cloques qui se forment à la surface, la sauce va se détacher de la paroi de la casserole. À ce moment-là, on râpe un peu de noix de muscade et on rajoute du fromage frais. Comme ça, notre béchamel aura un très bon goût.
Dans ce gratin, mes amis, on a quatre étapes. Première étape, c'est préparer les poivrons en les faisant frire et en leur retirant la peau. La deuxième étape, c'est préparer la sauce tomate. La troisième, c'est préparer la sauce béchamel au fromage. Et la quatrième, c'est préparer la farce à la viande hachée. Pour ce qui est de la viande hachée, on va juste mélanger avec la viande hachée un oignon coupé, du persil frais, du sel, du poivre, du paprika, une pincée de cumin, une pincée de noix de muscade. On mettra aussi un filet d'huile d'olive et on va travailler la farce en ajoutant des petites quantités d'eau pour avoir une farce tendre et pas sèche. Une fois ces quatre étapes préparées, tout ce qui nous restera, c'est de dresser le plat qui va au four. D'abord, on va préchauffer le four à 170 degrés et on va tapisser le fond du plat de la sauce tomate après avoir retiré les brindilles de thym et les feuilles de laurier. Et sur la sauce tomate, on posera les rouleaux de poivrons farcis comme sur l'image. Ensuite, on va verser la sauce béchamel et on parsème le dessus de fromage râpé. Four préchauffé à 170 degrés, cuisson entre 20 à 25 minutes. Le dessus doit être bien doré. N'hésitez pas, mes chers amis, à tester cette recette car c'est vraiment un très bon gratin. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, je répondrai avec vraiment un grand plaisir. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.